Salut tout le monde, il fait très beau aujourd'hui, vous le voyez à Paris, sur le Parc des Princes. Un match qui va se jouer donc dans des conditions parfaites. Et c'est encore moi, Hervé Matou, qui vais vous commenter ce match. Je sais, il y en a qui en ont marre, et vous inquiétez pas. Le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich. Un petit peu d'excitation, hein, cette équipe qui va faire ses grands débuts dans la compétition. Complètement néophyte. On va suivre ça avec intérêt. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Le Bayern de Munich à l'attaque. Mais non, finalement, ça ne donnera rien. Thomas Müller. Ballon perdu par les Parisiens. C'est le moment en profondeur. Allons, repousser, c'est pas terminé. Et fin de l'alerte. La défense qui va pouvoir respirer car il y avait un hors-jeu. Léo Messi qui sera comme toujours à surveiller de très près. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ouais, faute, estime l'arbitre. Lewandowski. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Mais le centre est capté sans aucun problème. Sergio Ramos. Eh non, la passe est interceptée. Robert Lewandowski. Ah, il dévie le tir sur le poteau. Ouais, lumineuse cette passe. Ouais, il ne faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Encore un peu dégagé. Serge Gnabry. Ouais, bien coupé cette passe de Lionel Messi. Ouais, bien joué cette passe de Müller. Ah non, c'est mal négocié. Benjamin Pavard. Neymar. Voilà, joli passe en profondeur de Kimmich. La bonne passe dans l'espace. Ah, on y a cru, hein. On a cru que c'était l'ouverture du score. C'est une énorme occasion. Müller qui va pouvoir poursuivre son action. Et l'intervention de Donnarumma. Un quart de balle pour le Bayern. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Robert Lewandowski. Et le but de Thomas Müller. Le but de Thomas Müller. Il a été plus rapide que le défenseur sur cette action. Il est bien placé. Il mérite d'être là au bon moment. C'est ce qu'on lui demande. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le roi Sané. Centre, il y a du monde. Alors ça c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Il avance balle au pied. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Oh, très bien défendu. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et la remontée du terrain qui se poursuit. Chercher quelqu'un avec ce centre. Oh, quel dommage de faire une contre-attaque aussi fabuleuse.
et de la terminer ainsi avec une conclusion totalement ratée. Neymar sur l'aile, personne pour le contrer. Neymar qui centre. Eh non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Lewandowski. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Ah, quelle maladresse, c'est pas bien joué ça. Fallait pas se précipiter comme ça. Il fallait jouer le face à face. La passe qui est interceptée par Kimmich. Thomas Müller qui donne un bon ballon en profondeur. Ah oui, c'est dedans. Salut tout le monde, c'est dans des conditions quasi parfaites qu'on se retrouve aujourd'hui. Au micro, vous avez reconnu ma voix, je suis Hervé Matou, c'est bien moi, le vrai, je vous assure. Le Bayern Munich face à Chelsea, équipe qui a réussi son entrée dans la compétition avec ce succès lors du premier match, qui va essayer d'enchaîner à contrer 6 points après 2 journées. Attention, ça peut devenir intéressant. Ouais, c'est dégagé, sans se poser de questions, là. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Le roi Sané. Allez, on peut y aller. Oh, le ballon sauvé, là, au tout dernier moment. Kanté qui continue de progresser. Mais non, finalement, ça a été intercepté. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ah, ce sera une touche après ce tacle impeccable. Est-ce ce ballon qui traîne ? Lewandowski, l'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu. Kanté. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Thomas Müller. Kimmich. Thomas Müller. Serge Gnabry. Ballon qui est sorti en touche. Koretka. Kimmich. Oui, bien joué, récupère la balle pour son équipe. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. En faveur du Bayern. Serge Gnabry. Une phase de possession en attendant la faille. Le centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Ah, magnifique, splendide, splendide arrêt. Le danger est écarté, ça s'est joué une fraction de seconde. Corner qui ne donnera rien. Le ballon pour Upamecano. Thomas Müller. Et le dernier mot pour le gardien. Le numéro qu'il nous fait, et ça va être dangereux. Quelle occasion. On était tout près du premier but dans cette rencontre. Allez, oui, il va y aller. Ah, c'est très bien défendu. Et ce tacle qui donne un petit peu de répit à la défense. Tu
Chelsea qui se rapproche du but. Oh, la volée magnifique qui termine sur le montant. Quel dommage! Serge Gnabry, Benjamin Pavard, est-ce qu'il va centrer? Ah, le centre mais contré par le défenseur. Havertz. Oh, il s'est fait passer le défenseur. Oh, il était temps d'intervenir là. Benjamin Pavard. Müller. Sané. Koretka. Kimmich. Serge Gnabry. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, faut pas les laisser jouer. Ouais, c'est dégagé. Et ce sera un corner. Premier sur ce corner. Drapeau se lever. Et ouais, hors jeu signalé. Ballon donné un petit peu trop tôt, à mon avis. Quelques statistiques, vous le voyez, pour illustrer ce que l'on observe depuis le début de cette partie. Ce match extrêmement serré. Et ce 0-0. Ah, c'est sorti, ce serait une touche. Ballon perdu. Kimmich. Le Bayern qui fait bien vivre ce ballon. Thomas Müller. Oh, magnifique, le duel gagné. Super réflexe dans les buts. Regardez les supporters qui ont senti que c'était une vraie occasion ce corps. Et la tête qui va passer hors cadre. Il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter. Oh, Chelsea va profiter de ce désert sur les côtés. Ça n'ira pas plus loin. Lukaku qui poursuit son action. Et non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Thomas Müller. Serge Gnabry. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Le gardien qui boxe ce ballon. Oh, il a volé. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Le Bayern qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période. Kimmich. Ouais, bonne intervention. Et ce sera une touche. Il est allé au charbon pour prendre ce ballon. Chelsea qui se rapproche du but. Koretka. Sané. Serge Gnabry. Gnabry qui a perdu ce ballon. Est perdu. C'est finalement un ballon perdu. Il avance balle au pied. Ouais, touche après un tacle impeccable, soit dit en passant.
Allez, le centre maintenant. Là, il fallait intervenir urgemment. Thomas Müller. Lewandowski. Le tir. Ouais, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Alors, intercepté par Goretzka. Oh, beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile. Ouais, le centre dans la surface. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Müller. Ouais, Sané sur les côtés, qui n'est pas attaqué. Le centre qui file vers le second poteau. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Cherche le point de pénalty. Un mauvais dégagement, mal fait. Thomas Müller. Eh oui, le but. Il ouvre le score. On va voir ce but. D'abord la passe en profondeur qui a mis la défense aux abois. Après cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Le Bayern de Munich à l'attaque. Attention, attention à Thomas Müller. Gardien qui répond en présent sur cette action. Il tire. Oh oui, la belle intervention du gardien. Ah, très appliqué, Kimmich sur ce corner. Mauvaise relance. Coman. Il y avait sûrement mieux à faire. L'entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie. De 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Kanté, mais le ballon est rendu à l'adversaire. Ah oui, Lewandowski, bien joué. Ah ouais, bien donné en profondeur. Et marque. Il marque, le Bayern qui creuse l'écart dans ce match. Ça fait 2 buts d'avance désormais. On voit tout ça, ce très bon 1-2 à l'origine. Cette face à face qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique, c'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Ouais, bien joué la remise. Qui a trouvé le décalage. Ce but qui les ramène à une petite unité seulement de leurs adversaires. Encore un but et ce sera l'égalisation. Il mène à la marque désormais 2-1. Ah, il est à l'interception. Oh, il a passé son adversaire direct. Ouais, bien pris la défense. Récupération et peut-être une action dangereuse. Pas les canons. Robert Lewandowski. Le ballon récupéré sur cette intervention. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oh, l'égalisation. Oh, l'égalisation, alors qu'on entrait dans les derniers instants du match. On va revoir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et ils reviennent à égalité de partout. Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Un peu de balle pour le Bayern. Thomas Müller. Il faut jouer le plus à fond du côté du Bayern. C'est la victoire peut-être. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Et le but.
le stade qui s'enflamme. Oh, le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes. On voit cette frappe sans contrôle, directe, instinctive, magnifique. Chelsea voit son adversaire passer devant. Ah, ils ne veulent pas le perdre hein, ce match, les Blues. Ils repartent à l'abordage pour tenter d'arracher l'égalisation. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Trois partout, hein. C'est un match où on ne s'ennuie pas. La passe mal ajustée de Müller. Ballon très intéressant pour les joueurs du Bayern. Ça peut se jouer sur cette occasion. Oh, la frappe. Oui, puissante, ça c'est sûr, mais là on ne peut pas marquer comme ça. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Oh, attention, ça peut coûter cher l'erreur. Et il marque. C'est même plus un cadeau. À ce stade, c'est une invitation à marquer. Regardez ce ralenti qui est vraiment cruel. Chelsea qui est mené. Oh, il est passé, il y a danger. Ah, et de quelle couleur va être le carton? Et il est rouge. Carton rouge contre le Bayern. Allez, c'est une balle d'égalisation. Oh, parfaitement capté par le gardien. Ce coup franc ne donnera rien. Voilà la fin de la rencontre qui se termine donc sur cette victoire à domicile. Les deux équipes étaient assez proches aujourd'hui. Mais bon, il faut savourer cette victoire, même si elle est minimaliste. Il vient de signer un très bon match. Il a été vraiment en réussite dans tout ce qu'il a tenté. Dommage que son équipe n'ait pas été au diapason. Volée magnifique qui termine sur le montant. Quel dommage! Eh oui, le but! Il ouvre le score! Bien donné en profondeur. Et marque! Il marque, le Bayern qui creuse l'écart dans ce match. Ça fait 2 buts d'avance désormais. Ouais, bien joué la remise. Ce but qui les ramène à une petite unité seulement de leurs adversaires. Encore un but et ce sera l'égalisation. Allez, il est passé, ça va être dangereux. Allez, pourquoi pas l'égalisation? Oh, l'égalisation! Oh, l'égalisation, alors qu'on entrait dans les derniers instants du match. Attention à ce ballon récupéré, là, très haut. Et le but! Le stade qui s'enflamme! Oh, le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes. Ah, ils ne veulent pas le perdre hein, ce match, les Blues. Ils repartent à l'abordage pour tenter d'arracher l'égalisation. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. Oh, attention, ça peut coûter cher l'erreur. Et il marque. Chelsea qui est mené.
Oh, il est passé, il est passé, il y a danger. Salut tout le monde, c'est une belle soirée de foot qui s'annonce aujourd'hui avec des conditions de jeu parfaites, un ciel dégagé. Au micro bien évidemment Hervé Matou. Le jeu de ce match, eh bien, c'est le droit d'accéder dès aujourd'hui à la division supérieure. Le Bayern Munich face au Bayern Munich. Il manque 3 points, hein, 3 points pour accéder à la division supérieure. Autant les prendre aujourd'hui si c'est possible. Ça détend. Oh la faute, ouais, il est allé trop fort. Il risque de prendre un jaune. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. Oh, la tête complètement ratée. Sané. Et il va profiter d'une erreur de marquage. Et corner pour le Bayern. Ils étaient sous pression, ils dégagent. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Attention, attention à Thomas Müller. Ah, c'est un but qui change tout, bien sûr. Qui est en train de délivrer le passeport pour la division supérieure la saison prochaine. Si ça ne bouge plus. Placé, elle mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Allez, il continue. Oh, c'était important de faire ce tacle. Parce qu'elle est interceptée par Kimmich. Touche. À la place de Kingsley Coman, et qui a trouvé un adversaire sur sa route. Il essaye de trouver la faille. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il se balade littéralement dans la défense. C'est récupéré. C'est dégagé par le gardien. Goretzka. Lewandowski qui ne savait pas trop quoi faire. Et qui du coup a donné le ballon à l'adversaire. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Serge Gnabry. Et la voilà la frappe. Ouais, le ballon qui est perdu. Oh, la défense là bien vigilante hein, sur ce coup. Serge Gnabry. Müller. Lewandowski. Oh le montant. Oh le montant. Quel dommage d'avoir joué ce ballon en force. Il y avait certainement mieux à faire. Le public qui gronde, qui est furieux, qui estime que l'arbitre aurait dû siffler. C'était un pénalty hein, pour eux. Le ballon qui change de possession. Ah, il a levé son ballon. Le roi Sané. Et l'intervention de Manuel Neuer. Le corner en direction du point de pénalty.
Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Allez, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Oh, c'est bien donné en profondeur. Pas bien négocié. Pas bien négocié ce ballon. Le Bayern de Munich à l'attaque. Ouais, il est passé Thomas Müller. Et le gardien, c'est pas fini. Ouais, le ballon est sorti. Ce sera pour le Bayern. Koretka. Oh, c'est pas bien défendu ça. Oh, le bon ballon. C'est un but libérateur pour cette équipe. L'accession était en bonne voie. On va pas dire que c'est fait, mais c'est quand même très bien engagé maintenant. On va voir tout ça. Il élimine bien son adversaire direct. Après cette distance, j'imagine bien qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Oh, que c'est bien donné ça. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Excellente intervention du gardien. Bien récupéré, bien joué. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Ouais, bien joué cette passe de Müller. Ouais, la bonne intention. Et le but! On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Il a choisi la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Thomas Müller. Ouais, la bonne passe. Et cela ne donnera rien du tout. Ça a été dévié. Touche. Ouais, ils perdent ce ballon. Allez, le centre maintenant. Ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Il va la mettre celle-là. Eh oui, le but. Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. Un peu étrange, un peu baroque ce but là. Je ne sais pas où était passée la défense. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. C'est dévié, ça sort en touche. La touche, le ballon a été dévié. Une minute, il y aura une minute seulement de temps additionnel. En profondeur, oui, bien vu. Apparemment inquiété, alors il continue. Et encore un but. Oh, quelques minutes d'intervalle. Deux buts qui viennent redonner de l'espoir à cette équipe. Bon, c'était pas le plus difficile hein, à marquer ce but parce que la défense était partie en week-end. Et la mi-temps donc, 5 buts dans ces 40. Allez, c'est reparti pour la seconde période. On le rappelle, c'est le Bayern hein, qui mène. Kimmich. Benjamin Pavard. Koretka.
à dégager hein, ce ballon qui était dangereux. Et l'arbitre fait signe de jouer, avantage pour le Bayern. Kingsley Coman. Ouais, il a le temps de centrer. Mauvaise relance. Neuer. Oh, le réflexe de Neuer. Il a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. La tête sans danger qui passe très loin de la cage. Müller. Koretka. Et c'est Upamecano qui est à l'interception. Sané. Encore le roi Sané. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Et ils sont à la récupération. La bonne interception. Sané. Le Bayern de Munich à l'attaque. Ça part au deuxième poteau. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Oh, la magnifique reprise. Magnifique reprise de volée. Qui méritait mieux mais qui passe à côté. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Sané qui rend la balle à l'adversaire. Bon, Sané. Ballon perdu par le roi Sané. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Interception. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. La contre-attaque qui se poursuit. Ah, le contre à la tête, mais pas de souci hein, dans les buts. Ça manquait de conviction. Ah, c'est une interception. Kingsley Coman qui avance bas le pied. Ça n'ira pas plus loin. Robert Lewandowski. Ah oui, Lewandowski, bien joué. Et c'est renvoyé par le poteau. Un ballon perdu par Alphonso Davies. Lewandowski qui a vu l'appel, assez dangereux. Oh, la faute, l'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute. Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte un jaune. La faute au ralenti, on voit le joueur se jeter. Hein.
sur ce tacle. Et le ballon qui vient s'échouer dans le mur. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Serge Gnabry, oh, la bonne passe en profondeur. Et non, ça va s'arrêter là. Ballon qui est intercepté. Il s'infiltre. Ouais, le bon arrêt là, qui éloigne le danger. Ouais, touche, le ballon a été dévié. Gnabry qui a perdu ce ballon. Coman. Contact. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est vraiment étrange. On a le sentiment qu'il y avait une grosse occasion et c'est récupéré sans souci. L'équipe qui pour l'instant est virtuellement promue en division supérieure. Belle réussite, hein, belle saison. Il est passé. Et le but ! Encore un ! Et ils prennent un petit peu plus large. On voit sur ces images la passe en profondeur, hein, tout par-delà. Quelle face à face qui est remportée grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Il met la présente 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Corentin Tolisso à l'interception. Coman. La faute qui stoppe une belle action et je ne serais pas surpris qu'ils prennent un carton là-dessus. C'est joué à deux. Bon, attention, c'est pas fini. Oh, en deux temps, magnifique intervention, c'était chaud, hein. Première intervention et finalement ce ballon qui est capté. Oh, ça peut être dangereux. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, plus qu'un but d'écart. Oh, cette fin de match va être folle. On voit la contre-attaque qui amène ce but. Il choisit la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Ah, c'est pas un match pour les gardiens aujourd'hui, hein. Attention, ça peut être intéressant là pour le Bayern. Parce que s'ils veulent égaliser, c'est maintenant ou jamais. Pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Gnabry qui a de l'espace devant lui. Thomas Müller. Attention, c'est peut-être la fin. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Ah, il est bien parti, ce corner. C'est un corner qui ne va rien donner. Oh oui, c'est fini. L'arbitre qui libère cette équipe, qui va pouvoir faire la fête. C'est vrai que la saison n'est pas finie, mais l'essentiel est acquis. L'équipe qui jouera la saison prochaine au niveau supérieur. C'est sûr maintenant. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Ah, c'est l'un des joueurs, sinon le joueur qui a tiré l'équipe vers le haut. Il a marqué deux fois, bien sûr. Il a posé énormément de problèmes à l'adversaire. L'un des acteurs très importants de cette victoire. Müller. Lewandowski. Oh, c'est pas bien défendu, ça. C'est un but libérateur pour cette équipe. L'accession était en bonne voie. On va pas dire que c'est fait, mais...
Ouais, bien joué cette passe de Müller. Ouais, la bonne intention. Et le but! Oh, il va la mettre celle-là! Eh oui, le but! Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas! Pas vraiment inquiété, alors il continue. Et encore un but. Oh, en quelques minutes d'intervalle. Deux buts qui viennent redonner de l'espoir à cette équipe. Il est passé. Et le but. Encore un. Et ils prennent un petit peu plus large. Coman. Oh, ça, ça peut être dangereux. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, plus qu'un but d'écart. Oh, cette fin de match va être folle.